Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je vais vous dire en quelques mots le déroulement de cette rencontre. En premier lieu, donc, je vais prendre quelques petites minutes pour vous présenter notre collectif. Après, je vais passer la parole à Benoît Hemmel, qui va nous faire une petite introduction sur sur les réalités de production culturelle aujourd'hui. Et c'est M. Benoît Hemmel qui va mener le débat. Donc il va s'occuper donc de poser des questions s'il le souhaite, s'il voit qu'il y a une utilité de poser des questions. Et puis il va chercher les bonnes orientations pour le débat. M. Achab va intervenir sur la réalité de l'édition en langue amazigh, lui-même éditeur. Donc il va nous parler de l'édition, de la production, des rencontres, des succès. Saïd Chumar va intervenir par Skype, on n'a pas encore saisi par téléphone parce qu'on est en train d'essayer divers moyens pour le contacter parce qu'il est dans un village en Kabylie et les communications sont assez complexes. Qui lui va nous parler de l'enseignement amazigh dans l'université. Il est responsable et enseignant du département amazigh de l'université de Tizi Ouzou. Mademoiselle Mariam Demnati. Madame, de l'IRCAM, donc nous tenions absolument à avoir un point de vue marocain, parce que cette question amazigh est une question qui concerne l'ensemble de l'Afrique du Nord, qui va nous parler des luttes amazigh au Maroc et dans d'autres pays, voir comment ces luttes se font aujourd'hui en Libye, au Maroc, comment en Tunisie. Éventuellement, si on arrive à trouver l'angle, parce que c'est pas évident. Voilà, donc le déroulement de la rencontre. Alors, en quelques mots, l'organisateur donc, de cette conférence, c'est l'ACTA, Agir pour le changement et la démocratie en Algérie. Nous sommes un collectif d'Algériennes et d'Algériens. Nous sommes constitués en 2011, à la suite d'un appel de plusieurs d'entre nous qui trouvions insupportable après les émeutes, pendant les émeutes 2011, que des jeunes qui ont été arrêtés n'avaient même pas d'avocats pour être défendus. Donc nous nous sommes rencontrés pour essayer de voir pourquoi cette incapacité à nous parler, à nous rencontrer, à nous structurer. Par la suite, quasiment dans le même moment, les révolutions en Tunisie, en Égypte et en Libye ont venu apporter un souffle nouveau, particulier, inédit dans l'histoire de leur pays. Donc on a suivi, on a apporté le soutien aux manifestations d'Alger et généralement à toutes les révolutions démocratiques. Et donc, nous avons très vite pensé qu'il fallait qu'on se structure, mais se structurer pour se structurer, on connaît tous les échecs successifs des organisations algériennes. Bien sûr, nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un collectif dans lequel il y a des sensibilités différentes, nous ne sommes pas une tribune partidaire, idéologique. Mais néanmoins, on était conscient qu'il fallait qu'on s'entende sur un minimum une charte commune qui allait définir le centre de conviction qui allait nous unir. Donc pendant 8 mois, entre Algériens, péniblement, avec des soirées houleuses, nous avons discuté pour mettre en place une charte que je vous invite à découvrir à l'entrée, qui est écrite dans les 3 langues, en tamazight, plutôt kabyle, arabe et français. Nous avons défini ce que c'était pour nous le changement et la démocratie en Algérie. Nous avons défini quel était notre rôle, que nous ne nous voyons pas dans un rôle de parti politique ni de volonté de faire quelque chose en Algérie, plutôt de créateur de sens et de matière politique et de sens tout court concernant les sujets qui concernent notre société. Essayer d'être plus efficacement possible, solidaire de toutes les luttes pour le changement et la démocratie en Algérie, suivant le mouvement de la société civile algérienne. Donc voilà, ce n'est pas la première rencontre que nous organisons. Nous avons organisé déjà beaucoup de rencontres avec des universitaires, avec des journalistes. Nous sommes revenus déjà dans un format de grand séminaire le 20 janvier 2012 sur l'arrêt du processus électoral. Nous avons fait un débat avec sur la corruption en Algérie. Nous avons fait des rencontres avec
avec des journalistes comme Adel Moudi. On est intervenu aussi, on a fait une rencontre à mon avis qui va donner un autre séminaire gros format sur l'histoire du mouvement féministe, du mouvement femme en Algérie. Et j'espère que nous allons organiser quelque chose, un format pour aussi revenir sur cette question d'égalité homme-femme. Et nous avons pensé aussi que, bien sûr, évidemment, la question amazigh en fait partie. C'est quelque chose d'essentiel. Nous ne voyons pas cette question comme un problème ethnique, comme un problème d'une ethnie contre une autre, mais comme un problème qui a été posé d'une façon très pertinente en 1949 dans le mouvement national. C'était peut-être, on pourrait l'appeler sans risque de se tromper, la première crise démocratique dans le mouvement national. Et depuis, il y a eu des mouvements de revendication, mais jusqu'à maintenant, l'idée que le régime de la nation, donc de la citoyenneté, est inachevé. Et de notre point de vue, inabouti, parce que, encore une fois, on pense cette question amazigh comme un intrant culturel, un intrant de la diversité, donc le régime doit lui donner sa place, alors que nous pensons plutôt qu'elle est l'âme, l'acte fondateur de l'idée de la citoyenneté algérienne, et on ne pourrait pas penser demain un régime démocratique, une démocratie dans notre pays, sans qu'il y ait une égalité entière, pleine, entre la langue arabe et la langue amazigh. Bien sûr, nous, notre rôle, comme je vous l'ai dit en premier, n'est pas du tout d'avoir peut-être une tribune de parti pris ou de parole figée. Donc nous sommes un lieu de débat. Nous avons invité pour nous dire les réalités d'aujourd'hui de la culture amazigh, de comment les choses se font sur le terrain. Nous allons, dans la deuxième session, aborder plutôt le lien avec le mouvement national, avec Hajaros, qui était au cœur de la crise de 1949, donc il va nous dire, de son point de vue, comment tout ça s'est déroulé, et bien sûr, d'aborder la question avec des contemporains, donc des animateurs du mouvement 80-2001, et des perspectives à venir. Donc je vous souhaite une bonne rencontre, je l'espère fructueuse. Notre rencontre sera diffusée en streaming sur Internet. Nous allons diffuser aussi sur notre site l'ensemble de la rencontre. Et nous pensons, à partir de cette rencontre, faire au cours de l'année, parce qu'on ne peut pas tout discuter, approfondir dans une seule rencontre. Donc nous pensons, au cours de l'année, faire revenir par des petites rencontres, notamment sur la situation en Tunisie, en Libye. Nous avions pensé tout à l'heure, avec Abdelkacher, par exemple, la porte du mouvement lycéen dans le mouvement 80. Je suis moi-même venu à la lutte politique grâce au lien qu'il y avait entre les lycées et les universités pendant le mouvement 80. Donc, revisiter tous ces moments, donner des repères, voir comment les luttes se sont déroulées, voir où nous en sommes et comment on doit s'organiser, comment on doit voir l'avenir pour qu'on arrive à bâtir cette alternative démocratique citoyenne pour notre pays. Merci beaucoup. Je donne la parole à Ben. Ah oui, j'ai oublié, excusez-moi, chez les Fabilek, parce que nous tenions absolument à avoir un point de vue de l'institution, de quelqu'un qui est à l'intérieur de l'institution de l'État, hélas, du HCA, hélas, les pesanteurs bureaucratiques chez nous sont très pesantes. Elle n'a pas eu d'autorisation de sa hiérarchie pour venir, pour se déplacer pour notre séminaire. Malgré son engouement et son intérêt pour notre rencontre, elle n'a pas eu d'autorisation. Et comme elle est fonctionnaire, donc on ne peut pas, elle ne peut pas voyager sans autorisation. Donc voilà, nous sommes désolés. Merci beaucoup pour ce rappel. Je vous en prie. Merci. Bienvenue à tous. Merci Magda de nous avoir réunis. Nous sommes aussi nombreux et aussi intéressés aussi à cette question. Je voudrais dire deux mots sur avant de donner la parole à mes amis. J'avoue que
je suis à un moment où je suis le plus inquiet, beaucoup plus que par le passé, pour cette question de notre langue, pour le devenir de notre langue. Je suis inquiet pourquoi ? Premièrement, on sait tous que si notre langue a traversé des siècles, alors qu'elle n'a jamais été aidée par aucun pouvoir, c'est grâce à nos mères, c'est grâce à la femme. Elle a traversé des siècles, elle a résisté à toutes les agressions, si on peut dire. Et voilà que aujourd'hui, les mères, maintenant qu'elles peuvent, qu'elles vont à l'école, qu'elles ont accès à d'autres langues, ne parlent plus à leurs enfants dans cette langue. Maintenant, dans les foyers, on parle de moins en moins cette langue. Or, cette langue, si on ne l'apprend pas de la mère, d'ailleurs, toutes les langues, ce n'est pas par hasard qu'on appelle ça langue maternelle d'abord, si on n'apprend pas de la mère cette langue, ben, on a de fortes chances de ne pas pouvoir l'apprendre plus tard. Donc, il faudra peut-être réfléchir à ce problème, de voir comment sensibiliser les mamans actuelles pour qu'elles parlent à leurs enfants dans cette langue au foyer. Ce n'est pas, je ne dirais pas que les femmes ne doivent pas aller à l'école, bien au contraire, il faut qu'elles aillent à l'école. Mais aller à l'école et parler sa langue maternelle à la maison, c'est encore être plus moderne que ce qu'on pense maintenant, ce que pensent la plupart des mamans maintenant, parce qu'elles pensent qu'en parlant à leurs enfants en français ou en arabe de la télévision, elles sont plus modernes. Et ben non, elles sont beaucoup moins modernes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'école. Malheureusement, notre pays est un pays où l'école tue le savoir. Au lieu de développer le savoir, au lieu de développer l'esprit critique chez l'enfant, au lieu de développer l'esprit créatif chez l'enfant, eh bien non. On a calqué l'école publique sur l'école coranique, donc ça devient l'école d'un livre et l'école d'un savoir. Seulement l'école qui forme des perroquets en gros. Voilà. Et il y a évidemment une incidence sur l'enseignement de toutes les autres langues. Pas seulement de la langue arabe, malheureusement, ça a une incidence sur l'enseignement des autres langues. On enseigne de la même manière. Apprenez par cœur, répétez par cœur, et puis voilà le bon élève. Et avec ça, on ne peut pas aller loin. D'ailleurs, on voit maintenant dans nos administrations ce que ça donne. Même pour cet enseignement en arabe pour lequel l'Algérie a gaspillé des milliards, et des tas d'énergie, aujourd'hui, on forme des gens qui ne peuvent même pas copier d'une page à l'autre, copier de l'état civil à l'extrême naissance les bonnes lettres et les bons chiffres. À tel point qu'on a formé des gens qui ne savent pas réfléchir, qui ne savent pas analyser. C'est dramatique. Je ne parle pas de comptabilité, je me demande si dans quelques années, on ne sera pas obligé de ramener des coopérants pour nous faire le budget communal. Parce qu'on ne saura pas calculer, on ne saura pas faire un budget, réfléchir à l'élaboration d'un budget communal, parce que c'est technique. Le troisième point, c'est les médias.
Il y a de Teneur, il y a de Radio Montamazer, bien sûr. Mais quand on écoute tout ça, qu'est-ce qu'il y a de Kabyle, qu'est-ce qu'il y a de berbère dans tout ça? D'abord, ils ne font que des liaisons en berbère. Tout le reste est dit soit en français, soit en arabe. Ça donne un harota, un mélange de... sans aucun sens, généralement. Et par le contenu même, par les valeurs que ça véhicule, non plus, il n'y a aucune valeur identitaire qu'ils sont soi-disant destinés à promouvoir. Voilà donc mes préoccupations et j'espère qu'on réfléchira un peu plus à ces problèmes-là. Voilà. Donc, peut-être si vous voulez, on peut en revenir après. Là, je crois que c'est Abidane qui va commencer. Donc, je vais donner la parole à Banacha qui est en boulot des Omar et un militant de longue date, actif et surtout productif. Parce que ça aussi, nous produisons beaucoup de discours, mais des choses importantes, nous en produisons beaucoup moins. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Et avant de vous parler de ma petite expérience d'éditeur en Algérie, j'aimerais avant tout remercier ce collectif qui s'appelle ACDAB, dont je reçois les messages régulièrement et dans les programmes, l'action et ce que je crois savoir de la philosophie générale me plaise beaucoup, donc je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès dans l'organisation et la poursuite de vos activités. Je vais essayer d'être bref, surtout que je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de revenir sur des choses que tout le monde connaît très très bien. Je vais essayer de vous faire un petit tableau de mon expérience d'éditeur en Algérie en 15-20 minutes pour laisser le plus de place possible aux questions et aux débats. Donc rapidement, une petite précision d'abord, ma maison d'édition n'est pas spécialisée dans le domaine amazigh. Hein. C'est vrai que j'accorde une place et une attention particulière à ce domaine, mais je n'exclus a priori aucune langue, je dis bien aucune langue, y compris l'arabe, pour être plus précis. Ce qui est important pour moi, c'est le contenu. C'est le contenu. D'accord ? Pour l'instant, j'ai édité des ouvrages en français, des ouvrages en tamazir, je préciserai dans quelques minutes, et aussi des ouvrages bilingues. Donc, première précision. L'édition amazigh n'est pas entièrement nouvelle en Afrique du Nord. Donc, vous savez qu'il a existé, ne serait-ce que des imprimeurs pendant l'époque coloniale, des imprimeurs qui ont imprimé des livres, des dictionnaires, des grammaires berbères au sens général du terme, hein, qu'il s'agisse des variétés linguistiques algériennes ou marocaines ou même ailleurs. Après l'indépendance, ça aussi, ce sont des choses que vous connaissez. Donc, il y a eu un blackout total sur non seulement l'édition berbère, mais la dimension berbère d'une façon générale. Donc, une exclusion totale du champ politique, culturel, linguistique. Si on se limite à l'Algérie, donc l'édition en Algérie, il y avait la SNED d'un côté, la Société Nationale d'Édition et de Diffusion, pour les ouvrages, disons, grand public, qui avait tout simplement un monopole. C'est une société qui appartenait à l'État. Hein. Donc la SNED d'un côté et l'OPU, l'Office des Publications Universitaires, pour les publications, universitaire. Les deux seules langues qui étaient acceptées pour l'édition, c'était le français et l'arabe. Non seulement des langues, mais aussi le contenu. On ne pouvait pas non plus éditer n'importe quoi en français, ni n'importe quoi en arabe.
Donc il y avait un contrôle strict au niveau des instruments linguistiques d'une part, français et arabe, et aussi, peut-être même surtout, un contrôle des contenus. Hein. Donc le berbère, ce n'était même pas la peine d'y penser, mais deux ou trois personnes que nous connaissons, hein, ne serait-ce que Ben Mohamed et moi, qui ont eu, je ne sais pas comment dire, le courage ou l'outrecuidance d'écrire à l'ASNED pour imprimer, pour faire éditer des ouvrages en berbère. À Mamsdet, pour ne pas le nommer, et moi-même, on a reçu des réponses du département des langues étrangères de l'ASNED. Des réponses négatives, département des langues étrangères de l'ASNED. Donc, la seule exception, avant l'ouverture du champ politique, la seule exception, à ma connaissance, c'était un livre, c'était un recueil de poésie mozambique, imprimé à Rabdaya en 1985 et écrit en caractère arabe. Voilà, donc avec l'ouverture du champ politique, il y a eu, bien sûr, Bouchen qui est maintenant installé en région parisienne. À ma connaissance, c'était le premier ou parmi les premiers. Donc il a sorti notamment la grammaire berbère de Mamri. En 90 ou 91, je ne sais plus, il a sorti un livre de Saadit Yassine sur Ethme Gillette, un livre de Chaker, Imazir Nassar. Donc il y avait Bouchen, je crois qu'il a fait partie des premiers. La Fomique, c'est un éditeur qui, à ma connaissance, a disparu. C'est La Fomique qui a sorti le dernier ouvrage, d'ailleurs paru à titre posthume, de Mouloud Mamri sur Cheikh Mohamed Hossein. La Fomique, voilà, donc actuellement, donc c'est La Fomique qui a été le premier, avant Bouchen. Donc actuellement, il y a plusieurs éditeurs qui éditent des livres dans le domaine berbère, ne serait-ce qu'à Tizi Ouzou, il y a les éditions L'Odyssée qui viennent de sortir, il y a à peine une semaine, un ouvrage sur la pédagogie de Thamazir, qui est écrit par un collectif d'enseignants-chercheurs, dont la plupart font des études à l'université Paris 8. C'est un livre qui vient de sortir, hein, il y a moins d'une semaine. Un livre très intéressant, parce qu'il remet en cause la pédagogie qui est utilisée pour Thamazir depuis son introduction dans le système éducatif. Donc il y a les éditions L'Odyssée, il y a les éditions Thiram de Brahim Tazarart, qui est basée à Béjaïa. Il y a les éditions Mahdi de Tizi Ouzou qui fait surtout de la réédition, occasionnellement de l'édition aussi. Un livre de Mohandar avait être ainsi qui s'appelle Tata Batata, édité à Tizi Ouzou il y a 2 ans, je crois. Et ma maison d'édition qui existe juridiquement depuis fin 2008. Et pour ce qui concerne le début de l'activité éditoriale, ça remonte au mois d'août 2009. Donc depuis le mois d'août 2009, j'en suis maintenant à 29 publications. La 30e se trouve chez l'imprimeur et devrait sortir vers le mois de janvier. Donc il y a des ouvrages en français, écrits entièrement en français, dans celui de M. Brahim Salhi, qui est ici présent dans la salle et qui va intervenir tout à l'heure, qui s'appelle « Algérie, citoyenneté et identité ». Donc Brahim Salhi, vous le connaissez, professeur de sociologie à l'université de Tizi Ouzou. Son ouvrage comprend un certain nombre de chapitres qui traînent de beaucoup d'aspects de la société algérienne actuelle. Il y a un chapitre sur l'islam, 2 chapitres sur les événements de 80, 1 chapitre sur ce qu'on appelle le printemps noir, donc les événements de 2001 en Kabylie, 1 chapitre sur le mouvement, le combat des femmes en Algérie, 1 chapitre sur le mouvement associatif en Algérie. Je ne sais pas si j'ai tout dit, voilà. Donc ça va, bon, ma mémoire n'est pas encore tout à fait défaillante. Donc des ouvrages en français, dont celui de Brahim Salhi, une étude de sociologie sur l'Algérie actuelle, des ouvrages bilingues dont vous avez vu défiler tout à l'heure un certain nombre de couvertures, bilingue comme l'œuvre complète de la poétesse Hajira Oubachir. Vous avez des écrits politiques comme ceux de Rachid Ali Hia, dont vous voyez la couverture sur l'écran, un ouvrage sur l'arabe, réflexion sur l'arabe classique, et un ouvrage dans lequel Rachid Ali Hia prône une solution fédérale pour l'Afrique du Nord.
Il y a aussi, bien sûr, des ouvrages qui sont écrits entièrement en tamazir, surtout variété kabi. Par exemple, le roman Akini Udrer de Omar Al-Amara, qui est un physicien de formation et qui travaille maintenant en région parisienne. Vous avez aussi des adaptations en kabyle à partir d'œuvres littéraires françaises, comme le livre dont on a vu la couverture tout à l'heure, Arioul Njanjis de Amziat Kzar, qui a adapté en kabyle des œuvres de Prévert, de Franck Pavlov et de Raymond Queneau. Quoi d'autre? Il y a aussi quatre gros dictionnaires, un dictionnaire de proverbes kabyles bilingue, écrit par Ramadan Asmansour Wahez, qui est un ancien professeur de chimie de l'Université d'Alger, où il a exercé pendant 30 ans. Un dictionnaire de berbère libyen, je commenterai par la suite pourquoi un dictionnaire de berbère libyen à Tizi Ouzou. Un dictionnaire d'hydronymie générale de l'Afrique du Nord, fait par Fodil Chiriguet, qui est professeur d'université à Béjaïa. Et un dictionnaire toponymique et historique de l'Algérie, fait par Mohamed Hili Hadadou, qui est un berbérisant et professeur d'université. Je vais insister sur deux publications, le dictionnaire de berbère libyen et les contes de Figig. Les contes de Figig. Figig, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près au même niveau que Béchar. Donc c'est du côté marocain, au même niveau que Béchar. Ça fait partie de ce qu'on appelle les parlers zénètes, hein, les zénètes berbères. Les contes de Figig ont été écrits par Hassan Ben Amara, qui est un professeur de français en poste à Figig. Donc ce sont des publications qui ont pour moi une valeur à la fois symbolique, mais aussi concrète, très importante, parce que je me suis dit que c'était important qu'on puisse trouver à Tizi Ouzou des publications qui sont faites dans d'autres variétés linguistiques que le kabyle, pour que les gens voient concrètement que ce berbère dont on parle tant et qu'on voit si peu existe vraiment, qu'ils aient la possibilité d'avoir, ne serait-ce que de regarder entre les mains du berbère libyen ou bien du berbère marocain. Voilà, donc au niveau des... Je vais essayer d'aller un peu vite parce qu'il y a le temps qui passe. Donc les principales difficultés, bon, bien sûr, c'est... peut-être que la première, c'est celle du lectorat. C'est le commentaire que j'entends tous les jours, que vous entendez tous les jours, qu'on entend tous les jours à tous les comptoirs de café en Algérie. Pourquoi vous êtes éditeur? Les gens ne lisent plus. Les gens ne lisent plus, d'accord? Si on attendait que les gens se mettent à lire, on n'aurait pas besoin d'éditer. Bon, je pense que c'est un... Bon, je le répète souvent, l'édition est un combat. Il faut contribuer à créer du lectorat. À créer du lectorat. Ce n'est pas en restant les bras croisés qu'en répétant sans arrêt, qu'il n'y a pas de lecteur, que les gens ne font plus que courir après les affaires, l'argent, ceci, cela, etc. Donc il faut contribuer à créer du lectorat pour que demain le livre se porte mieux. Donc une certaine faiblesse du lectorat, même si il n'y a pas d'études sérieuses sur le lectorat en Algérie. Mais ce sont des choses qu'on entend un peu partout. La distribution est un gros problème. On n'a pas vraiment de distributeur au sens professionnel du terme. Et le peu de distributeurs que nous avons ne fonctionne pas, très très vite. Ne serait-ce qu'au niveau des recouvrements des sommes, au niveau des recouvrements de l'argent qui est dû aux éditeurs. Ça, ce sont des problèmes qui concernent l'édition algérienne en général, donc le lectorat, la distribution, et puis malheureusement des problèmes de la vie de tous les jours qui prennent le pas sur la lecture. Il y a des problèmes spécifiques à l'édition berbère. Il y a des problèmes spécifiques à l'édition berbère qui concernent par exemple l'orthographe. L'orthographe. Ceux qui connaissent un peu le domaine savent que l'orthographe, ne serait-ce que l'orthographe du kabyle, pour ne pas nous aventurer sur des terrains un peu plus larges, l'orthographe du kabyle en caractère latin est plus ou moins stabilisé. On peut dire, pour avoir une idée, on peut dire qu'il est stabilisé, allez, on va dire à 95%. Donc il peut y avoir des problèmes, des petites variations au niveau de ce 5% qui reste, et que chacun traite un peu comme il l'entend. Donc il y a des soucis au niveau de l'orthographe,
ça m'est arrivé en tant qu'éditeur d'avoir des demandes particulières des auteurs qui me disent « Moi, je vous confie mon manuscrit, mais à condition d'écrire telle ou telle chose, d'écrire telle ou telle chose de cette façon. » Donc on a une certaine pression en tant qu'éditeur sur l'orthographe qu'il faut pratiquer. Il y a aussi des problèmes de graphie, parce qu'il y a des auteurs qui voudraient bien que leur texte paraisse en caractère tifina. Un dernier point, puis je rendrai le micro à Abdel Mohamed, un dernier point sur lequel j'aimerais insister, c'est la qualité de la langue. C'est la qualité de la langue. Pour moi, c'est le critère numéro un, en tout cas pour Tamazir et pour les autres bons ouvrages également. C'est la qualité de la langue. Quand je me suis constitué comme éditeur, je me suis dit que peut-être je pourrais apporter un petit plus dans ce domaine, ne serait-ce qu'en faisant attention à la qualité de la langue. J'ai évacué d'emblée l'idée qu'il fallait publier de la Mazir à tout bout de champ parce que c'est de la Mazir. Ça, je n'en veux pas et je n'en voudrais pas. Il n'est pas question que je fasse de la démagogie, que je publie du berbère parce que c'est du berbère. Je regarde avant tout la qualité de la langue. Ça m'arrive et ça m'arrivera de refuser des livres. Donc pas de démagogie sur la Mazir parce que c'est de la Mazir. Il faut aussi que la qualité de la langue soit au rendez-vous. Et c'est cette exigence de qualité qui a fait que j'ai lancé récemment une collection. C'est la collection fichier de documentation berbère. La raison principale, c'est la qualité de la langue qu'on trouve dans ces publications qui ont été faites par les